à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo de Toyota Saint-Eustache, la chaîne YouTube probablement la plus ordinaire au monde. Pour corriger la situation, on s'est procuré une vieille auto juste pour attirer l'attention. Non, je l'ai achetée pour moi. Alors, la voiture qu'on vous montre aujourd'hui, et ceux qui s'y connaissent vont déjà savoir c'est quoi, c'est une Toyota Celica 1972. C'est pas la première sportive de Toyota, parce qu'il y a eu la Sport 800, puis la 2000 GT avant ça, mais c'est la première sportive de masse en Amérique du Nord de Toyota. Ça fait beaucoup de critères, mais enfin, c'est pas grave. La Sport 800 se faisait juste au Japon, il me semble, puis la 2000 GT, c'était quand même une voiture assez chère pour compétitionner les Jaguars de l'époque. Avec cette voiture-là, Toyota voulait vraiment rentrer dans le marché des voitures sport, mais de masse, pour compétitionner toutes les pony cars de l'époque. Mais c'est sûr qu'étant japonais, il n'y avait pas de gros V8 ou de choses comme ça. On parle de voitures à 4 cylindres qui sont légères et économiques, évidemment. Ça, c'est une ST avec un moteur 18RC, donc un 4 cylindres de 2 litres à carburateur simple, une cam, transmission 4 vitesses. C'est drôle parce que on vit avec la même technologie de moteur 4 cylindres, c'est le même principe. Si on regarde le bloc et tout, ça ressemble beaucoup à des choses qu'on a aujourd'hui, mais tout ce qui est autour, c'est ça qui a changé en fait. Le principe n'a pas changé, mais tout ce qui est autour, par exemple, on voit ici là-dedans, on a le filtre à air avec ce qui est le carburateur juste en dessous. Carburateur, dans le fond, c'est ça qui est responsable du mélange air-essence avant de l'injecter dans les cylindres. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. On a un injecteur par cylindre, même il y a des injecteurs directement dans les cylindres, injection directe qu'on appelle. Mais ça, à l'époque, tout se faisait mécaniquement juste ici en dessous du filtre à air. Ça en est drôle parce que même pour partir la voiture, aujourd'hui, une voiture moderne va injecter le niveau d'essence qu'il faut pour démarrer le cycle. Mais à cette époque-là, il fallait carrément appuyer sur le gaz pour l'accélérateur, en fait, pour donner assez d'essence. Donc, c'est assez archaïque, c'est drôle à conduire. On a commencé à la retaper pour qu'elle puisse passer l'inspection et que je puisse rouler avec. Le but, c'était pas de juste avoir un bibelot, hein, c'était de pouvoir rouler avec. Donc, on a changé le master cylindre, on a changé la batterie, on a changé les lignes de vacuum. Les valves ont été ajustées par Daniel Lauzon, mécanicien qui est ici depuis bien des années, connaît ça très bien. Quoi d'autre? Il reste le carburateur à refaire. On a drôle de feeling quand on conduit parce que le son du moteur n'est pas très sportif. Ça fait plutôt camion, mettons. C'est drôle aussi, les gens aujourd'hui parlent de, en anglais, fake vents. Les fausses entrées d'air, les fausses sorties d'air, à quel point c'est laid sur les voitures. Mais tu sais, déjà à l'époque, ça existait. Là. Ça, c'est juste pour le look, c'est aucunement fonctionnel. Alors. C'est fou quand même parce qu'il n'y a tellement pas d'isolation, de quoi que ce soit, de padding. Tu sais, maintenant, les carrosseries, il y a tout plein de zones de collision pour amortir et tout. Il n'y a pas ça là-dedans. Donc, on a un coffre qui est, malgré la taille du véhicule, assez spacieux. Et puis, c'est drôle à quel point, aujourd'hui, une finition comme ça, ça passerait aucunement. Là. On voit tous les fils des lumières à l'arrière. Si vous ne savez pas, le bouchon, le réservoir d'essence est ici. Et puis, je vais être bon avec mon français aujourd'hui, hein, le filler neck, le tube qui se rend jusqu'au réservoir d'essence, carrément visible ici. J'aime tellement le son des vieilles portes comme ça qui se claquent. L'intérieur est assez, de base. Il n'y a pas grand-chose.
Puis en même temps, c'est quand même surprenant pour l'époque ce qu'on peut retrouver. C'est un drôle de mélange de vide, mais en même temps, il y a des choses. Par exemple, j'ai une horloge qui fonctionne encore d'ailleurs. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans l'auto. Je suis vraiment très surpris. Tout ce qu'on a eu besoin de faire, c'est de l'entretien de base. L'ancien propriétaire était plutôt âgé, avait de la misère à trouver les pièces, mais en réalité, c'est surprenant à quel point on peut trouver des morceaux d'origine encore. C'est sûr, bon, le volant est craqué, c'est en faux bois, le tableau de bord aussi est en faux bois. Comment ça s'appelait? Des vitres manuelles. Et le truc le fun, c'est que les passagers à l'arrière, les vitres se descendent et se montent aussi. Alors voici, c'est mon nouveau jouet. Vous demandez probablement qu'est-ce que je vais faire avec. Ça ne deviendra pas un hot rod, ça ne deviendra pas un resto mode ou un truc avec 100 000 $ de nid dessus. On se calme. C'est sûr que je vais probablement moderniser certains aspects du genre la suspension. Les pneus, que c'est, disons, c'est pas l'idéal pour la tenue de route, ça venait comme ça, mais bon. Je vais quand même la garder années 70, tu sais, ça fait partie des petits quirks, ça fait partie de ce qui est le fun d'avoir une voiture de ces années-là. C'est tous les petits défauts qu'il y avait dans ces années-là. Si ça vous intéresse de voir les progrès de la voiture au fur et à mesure, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous avertis tout de suite, il n'y aura pas des vidéos à chaque semaine, là. J'ai pas le temps pour ça. Mais par contre, ben, quand ça viendra, vous pouvez voir où on en est avec la voiture, qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de petit tuto-là. Pour l'instant, ben, il me reste juste à passer l'inspection parce qu'elle vient de l'Ontario. Et après ça, ben, je vais m'amuser à la rouler. Donc, je souhaite une bonne journée. Merci pour avoir écouté la vidéo. Et puis, si jamais on se recroise sur la route, on se dira salut. À bientôt!